Salut tout le monde, ici GeekTech et aujourd'hui on va parler du très attendu Transmart Mega Pro. Il est plus gros et plus lourd que son prédécesseur. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres évolutions? Nous allons le découvrir dans cette vidéo, mais avant de passer à la critique, s'il vous plaît, montrez votre soutien à cette chaîne en appuyant sur le bouton d'abonnement, allumez la cloche de notification et donnez à cette vidéo un pouce en l'air. Votre soutien est important pour nous. Maintenant, place au haut-parleur. Alors, tout d'abord, voyons cela de plus près. Sur le plan du design, Transmart a ajouté deux boutons virtuels supplémentaires sur le dessus. L'égaliseur et la touche d'appairage TWS. À l'arrière, il est également différent. Au lieu des ports exposés, maintenant le Transmart Mega Pro a ajouté une couverture en caoutchouc sur eux, ce qui signifie que l'étanchéité s'est améliorée aussi. Il n'est toujours pas immergeable, cependant, en ouvrant le couvercle, on peut aussi voir qu'il y a un port USB type A de plus pour vous permettre de charger votre téléphone en cas d'urgence. Après tout, il a une batterie de 1400 mAh qui fournit 19 heures de l'électricité continue. Pour utiliser l'enceinte, c'est la même chose qu'avant. La première fois que vous vous connectez, appuyez longuement sur la touche pour allumer l'enceinte, cherchez Mega Pro dans la liste Bluetooth de votre appareil et cliquez dessus pour l'appairer. C'est tout. Bien entendu, vous pouvez également effectuer un couplage via NFC. L'égaliseur vous permet de choisir entre deep bass, 3D et vocal. La touche M vous permet de basculer entre les modes de lecture de musique Bluetooth, auxiliaire IN et la carte mémoire microSD. Vous pouvez également appuyer sur cette touche pour la maintenir enfoncée pendant 8 secondes pour réinitialiser le haut-parleur. Passez à la touche TWS si vous avez 2 Mega Pro. Cette touche permet d'allumer 2 haut-parleurs. Appuyez brièvement sur la touche TWS sur l'une des enceintes et attendez quelques secondes, elles seront appairées automatiquement. Et celle sur laquelle vous avez appuyé en premier sera l'enceinte principale. Il suffit de choisir le Bluetooth du haut-parleur principal pour le connecter. Assez parlé de ça, passons maintenant à la partie la plus importante, la qualité audio. Je vous invite à mettre votre casque et en profiter. Xiaomi est tout aussi compétent lorsqu'il s'agit de la technologie des smartphones haut de gamme. Et l'un des derniers preuves en date en est cette bête ici, le Xiaomi Mi 10T Pro, qui coûte 599 € et pourtant, il nous sert un Snapdragon 865, un écran de 144 Hz, un appareil photo de 108 mégapixels, toutes sortes de technologies intelligentes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je dois être honnête avec vous, c'est le meilleur haut-parleur Transmart que j'ai jamais eu. Jusqu'à présent, la sortie de 60 watts est forte, super forte, c'est si fort que mes voisins pourraient l'adorer. Avec ses deux amplificateurs conçus avec précision et un woofer, il produit des basses louables. Sans distorsion, d'après mon expérience, les aigus sont distingués et clairs. Les médiums sont très doux et détaillés et les basses ont une profondeur étonnante et sont tout simplement puissants. Le Mega Pro offre également une expérience d'écoute polyvalente
grâce à ses trois modes d'égalisation séparés, ce qui signifie qu'il est idéal pour écouter une large gamme de types de musique, sans se limiter aux basses amplifiées. Donc, si vous cherchez une enceinte Bluetooth avec assez de volume et de basse qui a beaucoup de présence pour démarrer une fête, ou si vous voulez juste simplement profiter seul de votre musique, compte tenu de la situation sociale de nos jours, alors ne cherchez pas plus loin que le Mega Pro de Transmart. Avec sa qualité audio premium imbattable, son fonctionnement intuitif, sa bonne autonomie et son prix abordable, vous ne le regretterez pas. Pour en savoir plus sur le Transmart Mega Pro, veuillez consulter le lien dans la description. Ne manquez pas cela, tous les liens sont en bas. Alors, je pense avoir tout dit, et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. Ciao.